Bonjour à tous, aujourd'hui j'aimerais vous parler de ce qui s'est passé à Montpellier pendant ma dédicace. Voilà, parce que c'est une anecdote fort amusante. Je regrette un peu d'avoir pété un plomb, mais l'anecdote est croustillante. J'ai dédicacé samedi dernier à Montpellier. La dédicace s'est super bien passée, il y avait plein de gens, la boutique est très sympa, voilà. Et puis vers la fin de la dédicace, enfin vers, je sais pas, 17h, 17h30, quelque chose comme ça, il y avait moins de monde. J'étais en train de signer le livre d'or de la boutique et je discutais avec deux personnes, deux, trois personnes qui étaient restées. Quand entrent des enfants, oui, il n'y a pas d'autre mot, c'était des gosses, je sais pas s'ils avaient 13 ans, 14 ans ou 15 ans, en tout cas des deux gamins qui rentrent. Des gamins qui avaient l'air d'avoir envie de faire chier, ou des gamins qui avaient l'air de s'emmerder sérieusement dans la vie. Les gamins s'arrêtent, sont étonnés qu'il y ait une dédicace, et du coup me regardent dessiner. Ils se mettent l'un à côté de l'autre, je les entends chuchoter, et ils rient, ils rient, ils rient. Alors, je sais pas s'ils rient entre eux, s'ils se moquent de mon dessin, a priori ils ont l'air de se moquer de mon dessin. Je dis rien, mais ça commence à me fatiguer un peu. Et à un moment, je jette un coup d'œil, genre comme ça, pour voir ce qu'ils font. Voilà. Pour voir de qui ils parlent. Et là, ils commencent à parler de moi en disant, t'as vu, il a jeté un regard, genre comme si on l'avait pas vu, mais en fait, nous, on l'a vu et tout. Et donc, je pense que c'était des collégiens, hein, ou, enfin, je sais pas s'ils ont le niveau pour aller au collège, mais en tout cas, ils devraient être au collège. Et donc, ils avaient une mentalité de collégien. Et ce truc-là. Ce truc-là qui m'ont fait vivre pendant ce petit moment-là, je l'avais pas vécu depuis le collège. Et le collège, c'est la seule raison pour laquelle je ne veux pas retourner en enfance. Hein, c'est le moment où on est très con. Et à un moment, ils abandonnent et ils vont voir les mangas, et donc je continue ma dédicace et je me dis c'est bon, ils sont barrés. Voilà. Le temps passe, et au bout de 10 minutes, un quart d'heure, ils reviennent, sauf que ce coup-là, ils se mettent à chaque côté de la table, et ils commencent à se parler. De chaque côté de la table. Du coup, les gens qui étaient là, qui parlent avec moi, parlent de moins en moins. Plus personne ne parle. Je dessine. Et on entend juste leur. Ils dessinent mal. Et à un moment, j'entends même un truc genre. Il a des bourrelets. Et vraiment, le dessin. S'attaquer au dessin. Et s'attaquer au poids. Parce que quand j'étais au collège, j'étais gros. Ils m'ont fait revivre, mais des trucs que j'aurais jamais cru revivre un jour. Et vu que ça a duré, mais vraiment des plombes, j'ai commencé à bouillir de l'intérieur. Et je suis quelqu'un d'assez gentil en général, sauf que là, j'ai posé mon crayon et je les ai regardés. Et je leur ai dit, bon alors les gosses, je peux faire quelque chose pour vous? Et là, les gamins, un peu surpris que je leur parle directement et qui font, et en plus, ils font comme si ils ne comprenaient pas pourquoi je leur parlais, comme si personne n'avait vu qu'ils se moquaient parce qu'ils sont bien plus malins que nous, tu vois. Le gamin me fait pourquoi, mais pourquoi monsieur, qu'est-ce que. Attends, comment ça s'est passé? Ouais, pourquoi monsieur, qu'est-ce que vous voulez faire pour nous? Nous, on n'a rien demandé. Et moi, je lui ai répondu, bah, je sais pas, peut-être que vous voulez vous faire des pucelets ou un truc comme ça. Du coup, le gamin, du tac au tac, me répond, non, mais alors, vous dites ça parce que vous êtes fait des pucelets il y a que 2 jours? Et là, j'ai répondu, alors. J'avais pas mesuré l'étendue de ce que je disais. Pour moi, les vannes, les mots, c'est pas hyper important. Sauf qu'il semblerait que pour certains, la maman, c'est hyper important. Et donc, il m'a dit, ah ouais, vous avez dit ça parce que vous êtes fait dépuceler il y a à peine 2 jours. Et je lui ai répondu, oui, et c'était avec ta mère. Et alors, quand j'ai dit oui, et c'était avec ta mère. Le gamin est passé du mode genre au mode genre T'as dit quoi là? T'as dit quoi? Et du coup, moi j'ai soutenu son regard et on s'est regardé, vous savez, comme en boîte quand les gens sont bourrés et qu'ils vont se battre, voilà. Sauf que j'étais en dédicace, assis, en train de dessiner, que j'ai 40 balais et que l'enfant, il avait 14 ans, allez peut-être 15 ans à tout casser, je sais pas. Et du coup, ça a commencé à être un peu chaud comme ça. Le libraire est intervenu et a viré les deux gamins. Mais l'histoire ne s'arrête pas là.
Parce que, au bout de 30 minutes, 40 minutes, le gamin est re-rentré, j'étais encore en train de dédicacer, il m'a pointé du doigt, il m'a dit « je t'attends dehors !» Le libraire l'a reviré. Le libraire allait voir de temps en temps à l'extérieur et a vu que l'enfant attendait. C'est-à-dire que vraiment, il n'avait rien à faire, lui et son pote, mais rien. Ils avaient qu'à attendre. Et il était, mais vraiment, ses sourcils étaient tout le temps comme ça. Tu vois, la colère, tu vois. Du coup, on attend, il ferme le magasin, il me dit « je vais te raccompagner à la gare quand même ». Je dis « oui, ok ». Donc, à 19h30, on sort, et à 19h30, les deux gamins sont dans la rue. Ils filent comme une balle sur moi, le libraire se met entre nous deux, et le gamin me dit « qu'est-ce que t'as dit? Répète, répète, répète ce que t'as dit ». Alors ça, c'est assez amusant, parce que quand tu insultes quelqu'un, la personne en face te demande de répéter. Et ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Parce que si la personne est énervée, c'est que normalement, elle a très bien entendu l'insulte que tu lui as lancée. S'il ne l'avait pas entendue, il te dirait, pourrais-tu répéter? Il ne dirait pas, répète, répète. D'accord? Alors, le seul moyen que je vois pour faire que le mec, la personne dit répète, répète, c'est parce qu'en fait, la personne ne veut pas se battre, mais veut quand même imposer sa loi. En te faisant peur pour que toi tu oses pas répéter. Ce qui est absurde. Et moi je lui ai dit, je l'ai regardé droit dans les yeux le gamin, j'étais un peu redescendu et je lui ai dit, on se moque pas des gens. On se moque pas des gens si on ne veut pas attendre qu'en retour ils se moquent de nous. Il a dit, mais t'as traité ma mère! T'as traité ma mère! Donc j'aurais pu l'insulter mais pas traiter sa mère, je sais pas. Enfin bon, et en plus j'ai pas traité sa mère. Il m'a dit, t'as été dépucelé. J'ai dit oui avec ta mère. C'était nul et drôle. Voilà. Du coup, il s'est mis à insulter ma mère. Il m'a dit, ta mère, je l'encule, ta mère, je l'encule. Et je lui dis, oui, très bien. De toute façon, comme métier, elle est pute. Donc, c'est pas grave. Là, il a fait. Redis, redis ce que t'as dit. Redis. J'ai fait, on arrête, on arrête, on arrête. Là, il commence à venir un peu vers moi. Le libraire le repousse. Il s'en va. On marche un peu dans Montpellier. Sauf que le gamin avait fait le tour du pâté de maison pour nous attraper de l'autre côté avec un balai, parce qu'il est allé chercher un balai. Oui, il a fait son moundir. Il arrivait avec un balai comme ça à la main. Et là, je me suis dit, non, il a un balai, quoi. Et il était tout seul. Son pote, en fait, avait mis sa capuche, était derrière et attendait pour m'attraper, je pense, pour que l'autre me tape avec le balai, je ne sais pas. Sauf qu'il ne me tapait pas avec le balai. C'est-à-dire qu'il était... il avait des couilles, mais pas trop. C'est-à-dire qu'il me donnait des petits coups de balai dans le bras, mais vraiment, genre. Comme ça, je me suis dit non, mais non, non. Puis je vais pas me battre avec un gosse, quoi. Puis je vais pas me battre tout court. Du coup, le libraire le fait reculer. Il fait, t'as de la chance de pas être tout seul. Ok, j'ai bien compris. On part dans les rues. Et là, je vous jure, mais vraiment, le mec, le gamin, il se croyait dans James Bond, quoi. Il nous suivait. Mais il nous suivait, il nous croisait. Il se cachait derrière les voitures. Mais genre, tu te retournes et je. Voilà, on en était là. Et à un moment, je le croise et il me dit, c'est bon, vas-y, t'as de la chance que je te tape pas, allez, j'espère jamais te recroiser. Et il se casse. Donc il sous-entend que jamais, qu'on va plus le revoir. Sauf qu'en fait, il disait ça pour que le libraire se barre, les libraires se barrent, et que je me retrouve tout seul et pour rattraper avec son pote. Parce qu'après, on a bien vu qu'il se cachait derrière une voiture. Donc à un moment, j'ai fait, ok, c'est bon, c'est nul ce qui se passe. J'ai dit au libraire, merci de m'avoir accompagné. Je vais prendre un taxi et je vais me barrer. De toute façon, il ne va pas courir après le taxi. Il sait pas où je vais. Et donc du coup, j'ai pris un taxi. Et au moment où le taxi, je dis au revoir au libraire, tout ça, je rentre dans le taxi. Et avant que le taxi parte, j'ai vu l'enfant se mettre devant la voiture. Genre, mais comme ça, genre. Et là, je me suis dit, ah, est-ce qu'il va arrêter la bagnole? Et non, il a laissé la bagnole filer. Et voilà. L'anecdote s'arrête là. Je ne me suis pas tapé à cause d'une femme qui m'a dépucelé il y a 2 jours. Voilà. Je ne pourrai plus jamais retourner au collège. Plus jamais. Je me taperai vraiment, alors qu'à l'époque, je ne me battais pas. Voilà. Rendez-vous à Lyon demain. À 14h, la dédicace est à 14h, rue Victor Hugo, à Momie Manga. Voilà, dédicace toute la journée. Si possible,
ne venez pas avec des enfants de 13-14 ans, ou alors avec des intelligents. Voilà, ça serait bien. Voilà, allez, à demain. Ciao.